Salut mes amis, aujourd'hui on va faire un plat qui vient d'Asie centrale et qui s'appelle kouchiche, une tarte à base de viande et des pommes de terre. Allons-y! Pour faire la tarte kouchiche, il nous faut de la viande, des pommes de terre, la pâte feuilletée, l'œuf, oignon, basilic, piment d'Espelette, sel et poivre. Et pour badigeonner à la fin, il nous faut jaune d'œuf, lait et le sésame. La préparation. On va commencer par hacher la viande et la déposer dans un grand saladier. Séparément, on va hacher nos oignons en ajoutant le gros sel et bien entendu le basilic. Et puis, on va verser nos oignons hachés dans le gros saladier avec la viande. Coupez les pommes de terre en quatre, puis en petits dés. Et ajoutez dans le mélange. En ajoutant le piment d'Espelette, le poivre. Et l'œuf. On va bien mélanger notre préparation. Et puis on va déposer sur notre pâte feuilletée, sur une moitié. On va étaler soyeusement d'un côté pour par la suite couvrir avec la deuxième moitié de notre pâte. On pince bien les bords pour que le jus ne sorte pas. Et plie par la suite joliment les bords, comme ça au moins on est sûr que le jus ne va pas trouver un petit passage. Quand on a bien pincé et plié les bords, on va badigeonner de notre préparation à base de l'œuf, jaune d'œuf et le lait. Puis on couvre avec une cuillère à café de sésame. Faites une petite ouverture au centre de votre tarte. Mettez au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Puis dorer 3 à 5 minutes à 260 degrés. Ce plat est à consommer chaud, accompagné d'une bonne salade. Bon appétit mes amis, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions. À très vite pour de nouvelles recettes avec Mélassie Recettes.